Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, merci. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une sauce brune pour la viande. Parce que souvent, ben, on ne sait pas comment la faire, et puis c'est tellement bon sur un morceau de viande. Et c'est simple à faire, je vais vous montrer ça. Pour réaliser cette bonne sauce, j'aurai besoin de farine blanche, un peu de beurre, de la crème à 35%, un peu de sel et du poivre du moulin. Bien sûr, après vous pouvez rajouter du poivre vert, des champignons, des carpes, ce que vous avez envie. Pour commencer, je vais mettre ma farine dans une poêle. Avec rien d'autre, hein. Je vais la faire brunir un peu, la brûler à sec. Je brasse un petit peu, ça dure une ou deux minutes. On voit maintenant que ma farine commence à prendre la couleur, elle brunit. J'attends encore un tout petit peu. Et après, j'y mets mon beurre. Bien sûr, moi je fais ça dans une poêle, je trouve ça plus pratique, mais vous pouvez le faire dans une casserole. Hein. En général, les choses sont faites dans une casserole. Mais vous commencez à me connaître, vous savez que je ne fais pas les choses comme tout le monde. Et voilà, je mélange bien, comme une béchamel. Même chose. Et quand mon beurre et ma farine sont bien mélangés, j'y ajoute de la crème. Jusqu'à ce que j'ai une belle sauce. Qui soit de la consistance que j'ai envie. Là, elle est encore un peu épaisse. Et voilà ma sauce brune qui commence à être bonne. Bien belle. Bien sûr, maintenant, je vais l'assaisonner un petit peu de sel, un peu de poivre du moulin. Et ma sauce est prête. Pour moi, elle est encore un petit peu épaisse. Ça, c'est selon ce que vous voulez faire. Donc, j'y rajoute un peu de crème. Et ben voilà, j'ai fini mon berlingot. Voilà, une belle sauce brune, prête à l'emploi. Là-dedans, vous allez pouvoir y ajouter ce que vous avez envie, hein, du poivre vert. Des capres, toutes sortes de choses, des champignons, à vous de voir, hein. On va contrôler tout ça. Merveilleux. Pour moi, elle est parfaite. La recette, 30 g de farine blanche, 30 g de beurre, crème à volonté, sel et poivre. Et voilà ma sauce brune prête à l'emploi. Bien sûr, là-dedans, vous pouvez y ajouter encore du vin rouge, par exemple, pour lui donner un peu plus de goût. Mais elle est parfaite comme ça. Enfin, pour moi, elle est parfaite.
Là, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Là-dessus, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller me servir ça sur un magret de canard car j'adore ça. À bientôt et bon appétit. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.